Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe. Au cours de cette édition Première Classe, nous vous invitons à revivre avec nous la soirée du 21 novembre du Welcome Back Haïti Première Classe. Nous allons, mesdames, messieurs, commencer avec les hymnes nationaux américains et haïtiens. Pour ce faire, nous avons le fils du docteur Daniel Desrivières avec son sax qui va nous jouer l'hymne national américain et l'hymne national haïtien. Officiellement, commencer le programme, nous allons prier, nous allons faire appel au grand Dieu, pour que tout ce qui va être fait ici puisse réussir. Qu'il s'agisse de bonnes accolades que nous allons échanger entre nous, des propos de bons amis que nous allons échanger entre nous, des moments de détente que nous allons passer ensemble, mais que cela se passe très bien. Pourquoi ? Parce que nous allons faire appel au grand Dieu. Et c'est pourquoi nous appelons Monseigneur Beaubouin Ordouin pour faire appel pour nous au grand Dieu pour que les présents ne soient pas faits là. Mes amis, on nous applaudit pendant le campé, on applaudit Monseigneur, s'il vous plaît. So let us begin in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we give praise, we give glory to you, Lord. We acknowledge you as our Creator. Yes. And we thank you, Lord, for the gift of your Son, for God so loved the world, that he sent his only Son, that whoever believes in him may not perish, but may have life, eternal life. Oui, Papa, nous te remercions pour le don de ton Fils, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son propre Fils, pour que nous ayons la vie. Oui, Jésus, nous t'en prie, viens bénir cet endroit, bénir chaque personne ce soir. Come bless each and everyone tonight. As I've been here many times, this institution best care, because I believe that this institution, the care they're giving to patients, the nurses they're forming, and now this TV station. So yes, Lord, bless it, Lord. Oui, Jésus, nous dois bénir tout le monde là qui a soin. Bénis radio, bénis télévision ça, Seigneur.
béni Fayette, béni tout le monde qui travaille là-dedans pour porter des programmes, fait que la vérité toujours paraît le programme ça, Seigneur. Quand tu es la vérité, tu as dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, the truth and the life. There is no other way than the way of God. There is no other life than the life of God. And there is no other truth than the truth that was spoken by God ever. So n'a demandé la vie pour toujours protéger, protéger station ça, protéger la prière, la reine des sureines de la terre. The Lord be with you. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Oh. And bless this food to Lord. Bless this food that we are about to eat too. Mesdames, Messieurs, Monseigneur Beaubrun Ardoin. Et que tout le monde prête attention à la voix de cette dame qui va chanter de l'opéra pour nous. Pas vrai? Good evening, everybody. This is my husband, George Johnson. We recently married a little over a year now. And so together we're going to sing a song of blessing for the Haitian Premier Class television show. And right now we're having some technical difficulties with our music, but we're just going to sing it a cappella. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. I pray we'll find your light, we'll find your light and hold it in our heart, and hold it in our heart when stars go out each night, when stars go out each night, remind us where you are, remind us where you are. Let this be our prayer, let this be our prayer when shadows fill our day, lead us to a place, oh my. Guide us with your grace. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. With that life be kind, yes, that life be kind, and watch us from above. We hope its soul will find another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, just like every child needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe.
Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Right, thank you. Puisque nous sommes en soirée de relaxation, écoute un bon volume, tu en ris. Alors, tu es chiche dans le volume. Non? C'est mis la main de monsieur Damien de Vinchante, opéra pour de bon volume. Voilà. Puisque nous sommes en soirée de relaxation, à part de manger, bon j'en manger, que nous avons besoin de bon j'en blague d'eau. Pourquoi? Parce que Haïti, première classe cuisine, n'a pas fait sans blague. Et nous avons un champion comme blagueur. Un blagueur champion, c'est notre caméraman Claude Crane. C'est lui qui, le mercredi soir ou le jeudi soir, très tard, lorsque nous veillons à côté de l'ingénieur Nelsoni, en train de cuisiner HPC, Haïti pour mes classes, parce que le canal 25 est très exigeant. Vous voulez que Imajo HD, c'est la dernière mode, high definition. C'est-à-dire que, mesdames, yo, si nous avons un petit bagage dans le maquillage, nous ne pouvons pas paraître, et bien pendant la caméra passe sur nous, nous avons dimanche. Parce que la caméra joue da. La caméra HD, ça joue da. Sauf à ta pensée, vous prenez. C'est ça qui fait que, Claude Crane, comme blagueur pendant Nelson a travaillé, et puis je suis fait nous avec bon Jean blague. Donc il fait nuit la passer, ne pas sentir. Et chaque fois que je suis pour l'aller, toujours 5 heures du matin pour aller travail, mais pas pour aller avant que je sois fini édité. Donc on bout li. Des amuse-gueules, nous avons ça le soir, là n'a pas édité. Bref, tout le monde qui l'a eu passé déjà sous caméra, et ce sont des vedettes de Haïti première classe. Et pas grand monde m'a regardé qui va passer sous caméra HPC. Donc là, nous dit que c'est la rencontre de bons vieux amis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, nous sommes tous bien costumés, bien fins, looking good. Nous allons relax, Dr. Fayette. Relax. Cool. Pas vrai? Parce que c'est pour nous détendre, c'est pour nous amuser. Mesdames et messieurs, pendant 17 ans, l'absence de HPC à l'antenne, nous avons un pongongo dans des faillettes. Parce que chaque côté, il me dit, monsieur Colonel, qu'il en a tourné, qu'il en a pas arrêté. Il faut nous retourner où là. Et parce qu'on demande pour nous. Donc c'est parce que nous faisons un travail de valeur à la télé. Donc, les petites télés ne peuvent pas combler le vide laissé par HPC. Il dit, faut nous faire. Il dit, faut bon, bon, bye. Internet là, voilà. Je dis, ah, j'avais Internet ça. Dans la télévision Internet, mon cher. Nous avons un niveau première classe. Pour moi, le domaine d'Internet. Télévision Internet de boîte. Pour moi-même, bon, si j'ai exigeant que monsieur. Je passe là-dedans. Un petit coup de gorge. Parce que moi, je ne suis pas aussi exigeant que Fayet. Lui, Fayet, il est très sélectif. Puis, mon cher Desrosiers, nous allons sortir dans un niveau première classe pour nous parler de notre petite télévision. C'est ainsi que, qu'après le premier show de HPC sur le canal 25, il y a un coup d'âme qui m'a appelé pour me dire, « Donc, c'est Télénon. Ah, mon là, oui, nous tournons le canal 25, vous là, Télénon. Et qui contacte me fait là, hein? Et mon cher, mon café le tout là, ma m'a venu là-dedans tout. » Il me dit, « Mais bon, contactez Fayette. » C'est Fayette qui a fait la démarche. Mais il me dit, « Entre-temps, Fayette a dû faire sortir de cet tiroir non seulement ses expériences à la télé, sa capacité, mais aussi son titre de docteur. Je dis comment on me dit, parce que le canal a été très exigeant. Il parle de n'importe qui. Je dis, ah, mon cher, la télévision, quelque part, la capable tout. Il me dit, ok, bon téléphone, Fayette. Ben, je téléphone, Fayette. Le problème, c'est que l'habitude de faire une chose ne veut dire pas qu'on a l'habitude de faire cette chose très bien. On peut avoir l'habitude de faire une chose. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Pendant 15 ans, pendant 20 ans. Mais cela ne veut pas dire que cette chose est faite de façon correcte,
que cette chose est bien faite. Il y a le savoir bien faire, il y a l'habitude de faire. Le savoir bien faire pendant longtemps, et il y a l'habitude de bien faire. Nous, à la télé, à Haïti Première Classe, en toute humilité, nous avons l'habitude de bien faire. Parce que nous avons été à la Radio Nationale, comme présentateur, rédacteur, professionnel. Faïd a été l'un des meilleurs rédacteurs à la Radio Nationale. Il a été l'un des meilleurs reporters à Télé Nationale. Quand nous sommes venus ici offrir notre service à la communauté haïtienne, ce n'est pas que nous soyons de cette catégorie de gens qui voudraient faire. Nous continuons de faire ce que nous savons faire, ce que nous avions appris à faire, à bien faire. Mesdames, messieurs, je ne veux pas vous tenir en palabre. Permettez que je vous demande de vous mettre debout, d'accueillir le don de la télé, de Haïti Première Classe. Cet homme qui est un dur à cuire, parce que souvent nous nous querellons, parce que bon, on est au cas convaincre facile, on bataille. Et pour gagner, il faut venir avec des arguments solides. Un journaliste de grand calibre, entre guillemets, invétéré, Faye Théodore, qui a fait son nom depuis Haïti et qui a continué de faire son nom ici, en diaspora. Je dis en diaspora parce que pas seulement à New York, pas seulement à New Jersey, mais partout à travers le monde. Parce que Faye a rencontré un monsieur au Canada, qui dit, ça de vous a fait là. Ah ben, vous il l'a pris. Jusqu'au Canada. Il dit, maman, dis-moi, je vais monter les pompes, toi, pour nous. Parce que nous sommes pauvres. Donc, Fayette est un puriste, entre guillemets, en matière de communication. C'est l'un des meilleurs que la terre haïtienne puisse produire. Est-ce pourquoi vous, qui avez été sous ces caméras à travers cette interview, vous avez pu vérifier la qualité, la compétence de cet homme avec qui j'ai vécu pendant longtemps. On s'est connu depuis Radio Nationale durant les années 80 à Port-au-Prince. Et jusqu'ici, on se connaît encore, nous sommes encore amis. Nous nous discutons souvent, mais nous restons ce que nous sommes. Des gens qui voudraient donner le bon exemple et même prêcher ça à la communauté haïtienne. Parce qu'il y a tellement de barbarie qui se font à la télé. Des gens qui ne savent même pas épléter un télé. Et qui font de la télé. Et qui vous disent, ah oui, je suis journaliste haïtien. C'est triste. Mais Haïti, pour ma classe, comme vient de le dire, au Seigneur Bobo, elle a pour épurer les ondes, pour nettoyer les parasites, pour montrer aux étrangers qu'il y a des haïtiens compétents qui puissent offrir des programmes de valeur, à l'exemple de Channel, de Canal 7, de Canal 5. Peut-être que nous n'avons pas les équipements adéquats, mais nous avons le savoir, nous avons la connaissance nécessaire. Mesdames, messieurs, veuillez vous mettre debout pour accueillir cet homme simple. Pour nous, qui est un grand homme, dans la personne de Fayette Théodore, pardon, du docteur Fayette Théodore. Mesdames, messieurs. Thank you. Distingués invités, ce soir nous célébrons le retour en ondes de notre émission Haïti Première Classe, HPC. Ce forum qui était dans le temps le rendez-vous sacré du samedi matin est transféré, comme vous le savez, depuis le 12 juillet écoulé au dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live Channel 25. De plus, Haïti Première Classe maintient un autre rendez-vous à la radio sur le 91.5 FM chaque dimanche soir de 9h à 11h. We are delighted to have with us in this event a great supporter of this program, a proud son of Haiti, the current finance commissioner of the City of New York, Dr. Jacques Jia. Many times when we had trouble with the program, we knew we could count on Dr. Jia. Thanks, Dr. Jia. Nous comptons dire que tout le monde qui est dans la salle soit spécial pour Haïti Première Classe. Anciens amis, nouveaux amis. Anciens collaborateurs, nouveaux collaborateurs. Anciens supporters, nouveaux supporters. Programme n'a pas qu'à qualité réputation le gain, hein?
sans collaboration technicien qualifié, sans présentateur solide, sans sponsor qui kembe avec lui, sans une audience qui toujours jam. Nous apprécions déplacement tout le monde, si pour tout le monde, participation tout le monde dans l'événement, je dis. Nous avons souligné fort le coordonnateur programme, Florence Brown, directrice de l'école Besker, pour la réalisation de ça. Haïti Première Classe demeure le forum de la communauté haïtienne. C'est la tribune de nos artistes, de nos cinéastes, de nos écrivains, de nos peintres, de nos activités communautaires, des activistes communautaires et de nos politiciens. Notre préoccupation est d'établir la connexion entre les experts haïtiens et notre communauté. Un merci spécial aux invités spéciaux, sénateur Rat Austin, Jean-Élie Telfort, ambassadeur Raymond Joseph. Nous avons été agréablement surpris et restons fiers d'exprimer les progrès accumulés par les jeunes haïtiens et haïtiennes qui occupent des positions de plus en plus importantes dans la politique américaine et les organisations prestigieuses noires américaines. Le docteur Mathieu Eugène a tracé la route. We appreciate the support that we get from Friends of Haiti who try so hard to learn our language, travel to Haiti, enjoy our company, and help us promote our image. Haiti Premier Class values all those who value Haiti. Thank you, Jeff, for your continuous effort, support for the Haitian culture. Pays noir divisé, pays noir déchiré. C'est malheureux que ce spectacle ça nous est pour offrir. Le nous montrer image na bayo chaque dimanche matin. Ces égalités là nous pas capable déformer. Nous prenons comme responsabilité pour poser questions, chercher réponses, supporter tout effort qu'a fait pour changement dans pays là. Malheureusement, l'ennemi est gros et invisible. C'est division, égoïsme, gros cœur, remet tout qui entre dans mentalité nous. N'a plein chaque jour. Nous voulons pays à changer, mais n'oubliez c'est monde qui change pays. Bon monde avec bon idée. Monde compétent qui veut protocoler, monde sérieux qui veut travailler tout bon. À travers nos débats, nous relatons nos problèmes. Nous recherchons leurs causes et proposons des pistes de solutions. Nous nous écartons, semble-t-il, de jour en jour de notre rêve d'avoir un pays à la dimension de la terre de Toussaint Louverture et de Dessalines. Terre de liberté, dénommée la perle des Antilles, jadis. Tout ce qui nous reste, selon certains, c'est notre diaspora avec des jeunes qui deviennent de plus en plus intéressés à la cause haïtienne. En contribuant à la promotion de l'image haïtienne, Haïti Première Classe entend resserrer les liens entre nos ressources humaines et économiques de la diaspora et notre pays natal pour le redémarrage d'Haïti. Stratégie, organisation, organisation, organisation. Merci. La clinique du Dr Jean-Édouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, root canal. Dr Jean-Édouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-953-7639. Easycall Photo Video Production est spécialisé dans la réalisation de reportages, photos et vidéos pour toute occasion, mariage, baptême, communion et funérailles. Easycall 3610 Church Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 347-587-5246. Bon, une fois encore, on peut remercier tout le monde qui a fait le déplacement samedi passé pour être avec nous dans Haïti Première Classe. Et on peut dire encore, un pile bon côté, un pile l'autre côté du cahier, mais on choisit pour être avec nous. Donc ça, en fait, ça fait nous un pile plaisir pour nous, Haïti Première Classe. Toujours gagner suffisamment de amis qui ont fait le quoi que la font travail sérieux dans la communauté. On peut dire tout le monde encore, merci. Et on peut rappeler Mounio et... En fait, réveillon annuel là, la fête 19 décembre dans le local Besker, là, pour moun qui t'a remé entrer dans un cadre. Deux amis, Zami Haïti Première Classe, kapé célébrer yon Noël, c'est occasion pour vin dans le concert de Noël kap fête dans Besker College dans 68, South Harrison Street dans East Orange Jersey, c'est pour le samedi 19 décembre kap vin là. Trois qui pleurera quand ça passera mal, et l'innocente artibonicienne,
Quand Dieu venge la femme créole. C'est trois titres ça yo que First Black Studio fait mettre dehors qui là tout qu'on capable peut-être dans occasion nous la bail comme cadeau. Check avec en fait First Black Studio téléphone à 516 859 4101. Téléphone à 516 859 4101. Et n'a pas dit que Haitian American International Chamber of Commerce ensemble avec Haitian Heritage Award a pu organiser aujourd'hui 15 janvier cabinet pour arriver 15 février, il y a un bouquin pour capable en fait enseigner businessman qui j'en pour faire pour capable kembe pi yo mener business yo correct yo même invité businessman cap saute en Haïti pour venir dans séminaire ça pour capable comprendre bien vite rapidement nous avec nous Smith George qui c'est yon un responsable et Haitian Heritage Award qui là avec nous matin Smith et définitivement bouquin plan les programmés pour 15 janvier pour 15 février, c'est ça? Exact, 15 janvier pour 15 février. D'abord, je salue tout le monde qui a regardé là. Mm-hmm. Et puis tout, je profite de vous condoléances à la famille Black Alex, Madame Ni, Nadej Pen, petite Li, Alexandra, Pierre, qui est en Haïti, parce que comme c'est mon produit, c'est Black Alex, moi je dois et condoléances. Maintenant, bootcamp là. Bon, bootcamp là même, lui-même, c'est mon président, Haitian Heritage Awards. Uh-huh. C'est une organisation qui a organisé avec Haitian American International Team of Commerce. Okay. C'est un président tout. Côté que office nous là en face Bow Hall en Brooklyn, c'est la 26 Scott Street. Et bootcamp, small business bootcamp là, c'est la première fois que au monde pour initiative ça. Côté que là il fait monde soit en Haïti, entrepreneur qui déjà un business ou bien monde qui t'a remé vient un business. Ok, now ça nous fait pour monde ça qui vient un séminaire ça. Eh bien, moun ki vin nan seminaire sa yo, moun nan sot an Haiti, et nou mande pou moun nan gon référence ici, ki pou recruter moun nan, rele nou, et puis nap pre kontak avec moun nan. Et le moun nan vin ici, la formation nou ba moun nan, structure business li, apprendre faire ce qu'on appelle business plan, et puis comment que pou le présenter produit li, le que li gen produit à tout. Et nou même la organisation, nou couvri ticket moun nan aller-retour, nou fè moun nan membre nan chambre nan pour un an, nou enregistre moun nan, pour le business bootcamp là, nous préparer DS160, nous gain correspondant en Haïti et puis nous prend rendez-vous avec le consulat. Mon ça entré vin ici, bon bootcamp là duré 5 semaines. Et puis bon, en fait dans 5 semaines ça qui ça nous apprend mon exactement. Bon, ça apprend mon exactement, nous montrer mon dans Google QuickBook, c'est ou un logiciel lié ou application lié qui montre accounting comment pour réellement faire et management et business là. Nous montrer mon dans tout business plan est très important. Et même j'ai résumé, c'est qu'on soit vendre tout. Business plan, si besoin, j'ai un fonds, j'ai un loan, j'ai un grant. C'est lui-même qui peut aider aux gens présenter qui objectif, qui sauve les faits, qui recherche marketing, qui fait. Tu fais tout ça avec mon yo. Et ça, plus bon, coup ça fait en créole haïtien, il fait en français et en anglais. So, langue n'a pas de problème pour mon entrée là. Ok, dans 15 jours seulement, nous allons tout mettre ça. So, on va dire dans 15 jours, il dure 5 semaines. Il un mois et une semaine. Il dure. Mais le va mon visa, il va mon visa B1 et B2 à la fois. Ok. So, B1 c'est pour business, B2 c'est pour touristes. Mon entrée avec tous les deux visas. Bon, et tout, il va mon entrée. Bon, on dit qu'on a comme ça, mon cap vini, lui-même, on dit fuck li gon mon babo ici qui sponsor. Oui, oui. Pour nous, bon, très important. Parce que nous va quoi nous va couvrir, nous va couvrir logement, nous va couvrir pour nous manger. Okay, c'est mon bon côté pour le descendre, côté pour le rester. Si on capable manger, capable dormir, il va la donner. Bon, capable dire ça, il est très important pour nous avoir une référence bon ici. Et nous gain monde qui vini. Et il fait seulement New York, il pas fait dans l'autre secteur. Oh, il y a monde qui sont New Jersey là bas voisin dans qui vini. Non non, ça me dit par exemple, mon qui dans bouquin plan lui-même, faut le bon monde qui dans zone New York, New Jersey. Il pas qu'un monde qui Miami pour venir ici dans bas ça. Bon, moi ce que il gain un ami nous côté pour le descendre pendant que il dans bouquin plan. Parce que faut le dormir côté de manger ça fait nous pas prendre monde autre et nous pas qu'un pour monde qui pas gain correspondance, c'est ça. Et ça, mon cap sorti Canada, cap sorti, il cap gon correspondant ni en France ou bien Canada qui sponsorise. Moi qui expérience avec séminaire ça, ça fait combien édition? Bon, nous fait 1 2 3, c'est 3e là et nous gain 24 monde là pour entrer là, n'a faut pas spécial pour yo. Plus n'a bien ça cap commencer 15 janvier pour 15 février. Nous déjà gon liste réellement presque complet. Mais si gain quelques monde là cap garder là qui entrer gon moun en Haïti ou ta remet entrer participer dans bootcamp là. Yo cap reler moi là numéro de téléphone non. Qui j'ai pour me qualifier pour ka vinn pour entrer dans bootcamp là. Belle question, faut moun gain passeport qui déjà prêt parce que nous pas entrer là en logique fait passeport pour monde. OK. Comprendre, c'est pour moun gain passeport qui déjà valide qui préparé avec deux photos couleur. OK. Et puis nous bon référence en correspondance nous en Haïti. Oui, mais l'autre condition encore basé pour. Bon, l'autre condition faut moun au moins quand même
même de lire pour capable prendre note et deuxièmement faut mon capable faut interaction avec le computer. Vous m'avez dit que pas mon businessman donc il va oublier businessman. Non, mon n'a pas un businessman. Non, si mon n'a gagné intention ouvrir au business, alpha business ou bien s'il y a un business, il est capable d'entrer là-dedans. OK, téléphone mon relé et mon n'a capable relé moi-même Smith George qui président chamber. Le numéro 347-208-21-55. Encore, c'est 347-208-21-55. D'accord. Merci, Spé. Merci, André Payet. Good morning. Bonne chose, je dis. Yo! Studio. Moun ap chante, moun yo ap danse, se moman yo tapan, pou fou fete a blak la, blak a mou ileve, yo reme, yo reme, jom ap bouje, yo reme, jom ap frappe, yo reme, jom ap mache, ta yi se yo kontan la, yo we blak la, kape mache, kape chante, tande, tande, yo ay, sou pa konen mande joy, sak blak Alex la, sou pa konen mande zami, yo sak blak la, Black la tout petit me levé, sans la chambre, vous avez bougé, c'est vous avez mané, c'est vous avez chanté, c'est vous avez dansé, aïe, 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 Youn pa chan mwen, lèm mwen ap bien mené. Yo tom se lèm tombe, yo metem nan tenè. Yo fè sa yo bezè. Avec vous maintenant le docteur Jean-Edouard Fayette pour les conseils médico-dentaires du programme. Amis de partout, bonjour. Nom c'est docteur Fayette, chirurgien dentiste dans Brooklyn. Téléphone moi c'est 718-953-7639. Hein? Vous recommencez? Oh, yeah, yeah, yeah. Ok. Chers amis de partout, bonjour. Nom c'est Dr Fayette, chirurgien dentiste dans Brooklyn. Téléphone moi c'est 718-953-7639. C'est encore un plaisir pour nous retrouver nous sur Haïti Première Classe dimanche matin pour une autre émission sur santé dentaire. Nous t'ai parlé dernièrement de gingivite, périodontite. Nous t'ai montré comment si gingivite pas traité, elle est capable de venir périodontitis. Nous t'ai dit que c'est pas tout cas gingivite qui vient périodontitis. Qu'il y a qui ça causé bagaille ça. Le plus souvent, c'est ça n'est les plaques. Plaques dentaires qui différent de calculus ou bien tartare. Plaques, c'est là, par exemple, bactéries avec crasse mangée. Ça n'est pas les ions soft. Tant qu'on la bouillit, rete sous dents. Et puis, il pas retiré, il rete pour un pile temps, pour un pile jour. Et puis, il vient dû. S'il vient dû, il y aurait les plaques. Il y aurait les tata ou bien calculus le sont pas retiré avec brosse dent pas retirer film nan qui plaque là brosse dent capable retirer ou bien capable faire une prophylaxie une simple prophylaxie avec tout broche électrique ou bien docteur capable utiliser broche avec contrat angle qu'il utiliser avec profi paste il capable utiliser fil il capable utiliser pour retirer film nan ou bien plaque là sous dent. Mais dans la mesure que l'ivine collé grâce à une substance qui est destran qui est dans la plaque là, l'ivine collé sous dans l'ifel du bosse dans pas retirer encore prophylaxie pas retirer. Le ça ou fait ça n'ka capable yon scaling. Scaling n'est capable fait à la main ou bien à la machine. So le plaque là vinn du qu'on a li irrité gencive là, c'est lui même qui fait gencive là fait back, qui fait le recede, qui fait dent même qui pas être plus long. So plaque là li gen droit sous en l'aile gen droit descendre sous en bas bot tartar là li gen droit rester supra en l'aile gencive là comme li gen droit descendre jusqu'en bas. C'est ça que fait dans certains cas le moun vin kay docteur yo mande pour faire radiographie même si ou ka penser qu'on pas besoin mais radiographie a gen des fois li bon position tartar là en bas gencive là dans margine là comme nous ka wè dans tableau ça yo si n'ka pas boue. Dans la gencive normale, la structure zoa rete jusqu'en haut dans la colère dent, presque dans la couronne, ça n'a pas rele, senamo et enamo jonction, côté ça n'a pas rele colère dans la colère dent. Nous avons une structure bien clean, zoa bien normale,
pas gen aucun problème même si vous fourrez pas gen sang. Lò commencé rive dans 2 3 mm ou gen droit ouais ces os qui commencé à faire back qui a diminué. Lò rive dans advance là tant qu'on a schéma ça, on pas compte si photographie photographe là capable montrer le bien. Non schéma comme ça, côté au cas ouais clair sur en l'air là tout noir. Tout noir. En bas, gon ti partie blanche, ces os. So le plaque là ou bien tartare là. Ça n'est le calcul là accumulé là radiographie il paraît là-dedans et docteur capable contrôler. So l'oweli ou connaît même que cas commencer à avancer. Qu'on y a docteur au lieu que le faire une simple prophylaxie, lui utiliser ça n'est le un scaler, une petite machine qui ba on de l'eau. Tant que machine ça. Machine ça lui le scaler, le scale. So avec machine là, machine dans son machine qui fait un petit bruit léger et puis il ba on de l'eau tout qui permet détachement son ultrasonique machine, il peut ba on petit de l'eau, il détacher ca et tartare là ou bien calculus là dans dent parce que brosse dent pas qu'à faire encore. Ou bien docteur Yen va utiliser un scaler à main, un manuel scaler, on va qui ont tige il est en petit couteau, il va utiliser pour scraper. Et puis c'est ça où les scaling non li scale dan li retirer plaque là qui taché nan dan qui gen droit ou bien supra gingival ou bien ultra gingival bot qui gen droit en haut ou bien en bas gencive là c'est ça fait radiographie nan cas ça li aider parce que radiographie permet ou ouais position plaque là et calculus là dans bouche là ou bien passer un floss tout c'est ça fait en pile dentiste moi même personnellement l'homme fin fait un scaling font cleaning gen droit passer un fil dentaire nan mitan dan pour moi si et calculus par été en bas gencive là. So sou éviter plaque dentaire par ou bosser donc bien ou utiliser mouthwash ou floss. Sou ta gon gingive ou traiter ou pas privé dans périodontitis là jusqu'à ce que pour perdre du dent. So comme moi dit c'est plaque premièrement avec tartare ou bien calculus qui fait évolution gingivitis tout périodontitis. Quelle autre cause toujours qui est capable de faire ça? C'est capable soit prendre médicament, peut-être dans l'autre émission on est capable de vous expliquer des médicaments que on prend qui fait gens si vous enfler. Right, qui capable de faire tout que plaque accumule beaucoup plus et dans qui bon problème gencive là qui doit venir enfler sans que ou même ou par contre raison, hein, c'est docteur qui est capable de dire si médicament on prend, capable de dire qui médicament on prend et puis à partir de là on peut déterminer exactement qui raison qui fait bouchou non est apparaît. So pour être capable de conclure émission aujourd'hui, nous faisons un bon aller sous gingivite, sous périodontitis, nous faisons un bon aller sous plaque, nous faisons un bon aller sous calcul, sous plaque, nous dit qui ça qui fait. Nous venons comprendre qu'il y a importance pour nous capables visiter dentiste. Nous chaque 6 mois, gémonti chaque 3-4 mois obligé aller pour y aller faire cleaning, gémonti chaque 1 an tout, mais ou même on doit faire examen buccal ou doit regarder bouche pour contrôler pour voir s'il normal ou bien s'il pas normal. C'est ça nous gain pour nous encore aujourd'hui. Nous n'a pas nous rendez-vous pour une autre émission dimanche prochain si Dieu veut. Bon dimanche à tout le monde. Nom c'est Dr Fayette, 718-953-7639. Thank you. Felito Driving School offre des cours pour apprentis chauffeurs, des cours de rattrapage aux besoins, des cours pour conducteurs de poids lourds et de préparation pour l'obtention de licence CDL. Dirigé par Michel Silatus, Felito Driving School, 2165 Maurice Avenue, Union New Jersey, téléphone 908-687-0100. Le cabinet de maître Joseph Champagne offre une variété de services légaux dans le domaine immigration, divorce, accident, cas criminel. Maître Champagne et ses associés interviewent leurs clients, revisent leurs cas et les accompagnent au tribunal. L'office de maître Joseph Champagne, 60 Park Place, Newark, New Jersey. Téléphone 732-240-0030. Nous appelons maintenant notre ambassadeur Ray Joseph qui peut adresser pour le moment. Pour un instant, Ray. Je n'ai pas de chance de parler de lui parce que si je ne suis pas ce n'est pas faute moi. C'est faute tard. Merci. Moi, je vois que Conseil Mathieu est jeune, salue mon premier. Et il salue l'autre tout. Il dit qu'il a suivi le protocole. Le protocole là, parce qu'il est ambassadeur, je ne sais pas quoi ça, non? C'est parce que je suis blanc. Je fais ça, nous, là, je ne vais pas me tuer.
c'est vrai cheveux blancs. Et là, je suis là, je suis sur le programme. Excusez-moi pas si je ne parle pas de vérité. Je ne sais pas ce que je dois parler. Mais, vous savez know what? I said to myself, what will you say? And I have one verse of the Bible, the Old Testament, Zechariah chapter 4, verse 10. Never despise the time of small beginnings. Never despise the time of small beginnings. When my brother and I saw that the community did not have an organ, we started one for the community in 1971. I don't need to tell you the name. I'm quite sure you know it. When Fayette saw that they did not have a spoken organ, a television for the community, decided to start one. And I had to ask him tonight, wasn't it Bonjour Haïti? You remember that? Some of you here, you remember Bonjour Haïti? It was Bonjour Haïti, and then Haiti Premier Class. And it happens back in 1998, Haiti Premier Class disappeared from the radar. And it has taken 17 years for Haiti Premier Class, Haiti Premier Class, to reappear. And it has reappeared at the time of crisis in our country. And I count on Fayette to do the work that he started very small, when he was small, and to do the work properly, and to keep the new generation aware of a country that needs our help. I say it all the time, I repeat again. If Haiti did not have a diaspora, Haiti would be down the tube already. So, what you do here in the diaspora with IT Premier Class, let it be an example for those back home. And eventually, some of you, some of us, will go back with what we have learned to help that country become the country it was from day one, the first independent black country in the world. Yes, I count on you. I count on you. Thank you, Mr. Gia, for what you've done for IT Premier Class. Keep the work. Nous c'est Premier Class. Nous avons toujours été Premier Class. Mais nous pas capable de faire si nous pas songer qui jamais devine Premier Class. Nous devine Premier Class, de nous t'aimer tout bagaille de côté, nous t'es réunis ensemble dans la carrière et tout le monde t'est décidé de travailler ensemble. 6 mois après nous t'es fait ça, nous t'es battu en français. Pas oublier, l'union fait la force. L'ambassadeur Ré, mais pour moi, c'est Ré de Haïti Observateur parce que chaque fois que je c'est Haïti Observateur que moi-même me songeais. Maintenant, mesdames et messieurs, nous avons eu assez de palabres importantes. C'est quoi ce programme n'a prévoit pour le dérouler. Maintenant, c'est le moment pour un petit moment de relax. Guy France, pour nous relaxer, côté que pendant que nous avons bon du vin, et tu as le bon manger pour le vin là, et France, pas boire, parce que... Désolé, m'baoué l'ombrayou. J'aime bien l'ouvrir. Moi, pas qu'à ouéou. Isolé m'a oué l'ombrayou. J'aime calé. Moi, pas qu'à ouéou. Isolé m'a oué l'ombrayou. La grande, la cour qui naît. Isolé m'a oué l'ombrayou.
tristesse moi, montre que tu es là. Oui, isolé, belle maîtresse moi, fais-moi qu'on où là. Namaste.
you. Thank you. Thank you. Thank you. Vous venez à Alexis. C'est un délicieux. Au prochain point du programme, voilà, c'est ce que nous allons aborder. C'est le councilman Mathieu Eugène qui va vous entretenir pendant un petit moment, mesdames et messieurs. Il est juste New York pour le venir là. Donc ça veut dire pas quel bagage. Councilman. Merci. Thank you very much. Thank you so very much. My brothers and sisters, good evening. My name is Matthew Eugene, Mathieu Eugène. I'm the New York City Council member representing District 40 in Brooklyn. You know, I'm here today not as a council member, but as a brother, as a real friend of Fort Fayette. But it is really a great pleasure for me to be here. It is my moral obligation to come over here. I'm going to be very, very brief because I still have to go back to Brooklyn. I got two other events to attend to. Mais je dis à la, je me sentis tellement content de voir tant d'amis que je n'ai pas vu depuis tantôt des années. Et comme Fayette se dit ça, il a bien dit, eh bien, Haïti première classe, bah, il est spécial, son patrie, bah, il est spécial lié. Let me garder, par exemple. Mais juste avant, I just want to make sure that the protocol is established. Nous allons saluer ambassadeur Raymond Joseph. C'est un plaisir, ambassadeur. My colleague in government, Honorable Champagne. Thank you, it's a pleasure to be here with you. Et je crois que gagner. Bon, grand pile leader là tout que me dame saluer parce que nous gagnons par exemple tout. As a matter of fact, also my good friend, the Commissioner of Finance of New York City, GR. Et si nous besoin finance, pas une goutte de m'aller, mais goutte de vous aller. So, I want also to give kudos to some of the very important leaders in the community who have been fighting and contributing to the community also. Nous gagnons la sensei. Hey, Whistler Jacques, it is a pleasure to be here with you. We got Mac DeBoss également. Excusez-moi, est-ce que j'oublie au monde? We got tout Maître Saint-Preux, un grand ami, Maître Saint-Preux. It's a pleasure to see you also. And we got Similien. Bon, excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde dans tout le monde. But what I want to say is that Haïti première classe. Si on plateforme comme Fayette se dit, but let me tell you, people are saying that Matthew Eugene is the first Asian American elected to the New York City Council. Not true. But I want to tell you that I have not been able to get there by myself. Travail, c'est le monde dans la communauté. Contribuer pour nous gagner Matthew Eugene, je dis là. Il y a une communauté, c'est pas Matthew Eugene, c'est pas Gia, c'est pas et Champagne. C'est tout le monde qui composait la communauté ça. Et si je suis là, si Champagne, si j'y arrive là, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont travaillé pour que la communauté ça vibrante, j'en lis là. C'est ça que fait nous joindre qu'il y a là, dans l'époque ça, quand pile haïtien électé l'officiel. Quand pile haïtien dans la grande position. C'est à cause de travail au monde Tanko Fayette. Je me souviens, bien avant, j'ai été élu au gouvernement américain. Nous avons gagné une association côté de aider tout le monde. Et bien, Fayette, c'est une plateforme pour moi-même, pour me venir exposer le travail que je fais dans la communauté. Il va jamais demander 5 pour ça. Il va tout le monde accès pour exprimer ça ou faire la communauté. Et ça me fait changer le bon vieux temps. Sensei Wisner, côté Sensei Wisner a fait judo avec Timonio. One of the things that I want to say, we Haitian people, we are a great people. We have a great country. But unfortunately, something is going on. I don't know what it is. Anybody got the answer? M'pas contre ça lié. Si nous regardons par exemple, nous avons une grande histoire. Et nous disons assez souvent,
Nous sommes le premier pays libre, indépendant du monde. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette liberté? Les questions sont pour nous poser nous chaque jour. L'autre jour là, comment comprendre en 2015, il y a employé infirmière à Spring Valley, and they said no Haitian nurses. Et c'est pour un petit moment, mes amis, pense à ça. Dominicain a passé nos papiers, Bahamas a envoyé Haïtien tourner, il a crasé les Haïtiens, et puis aux États-Unis, no Haitian nurses. Une faillette, tout de suite contacté moi, dit, quand c'est même personne à faire pour ça. Comme toujours. L'ouvrir radio le moins pour m'expliquer qui ça nous a fait. Et puis qui ça nous a fait? Bataille a continué. Nous avons fait une presse conférence. Côté nous avons gagné en pile union. Et les 2099, 1787, territoire budget. Et gagné association des nurses haïtiennes, association des nurses de l'État de New York, en pile électeur officiel. Mais ça me t'a voulu dire, non? C'est pas qu'on s'en moune dans le point de limiter dans le journal. Comment qui pensait, qui préméditait, qui préparait. Mais bataille que Fayet a fait, c'est une bataille qui est très importante pour nous regrouper nous encore autour de Haïti première classe, pour nous regrouper nous, Jia, Champagne, et nous tous, les deux qu'on a bataillé dans la communauté, pour nous retrouver ça que dans cette nom, c'est dire l'union fait la force. Et pas avant que les Haïtiens respectent les Haïtiens. Pas avant les Haïtiens apprécient les Haïtiens, n'a toujours fait ce genre de discrimination, ça y est, n'a toujours fait ce genre de problème, ça y est. Quelle que soit la position, tout Haïtien, et bien on sait de bagages, n'a subi, c'est à cause, en partie, des attitudes non les uns envers les autres. D'abord, on est grateful. Je dis à Mvin là, nous songeons ça fait être fait. Si je dis à M'la, comme dit nous, comme électeur officiel, Fayette contribuer là-dedans. Mette des bois contribuer là-dedans. Ce n'est Wisner contribuer là-dedans. Je ne suis pas supposé râler le râler au descendre. Je suis supposé, au contraire, râler au, pousser au monter. Utiliser exemple que ben moyen. Il y en a plus gros problème que nous avons, dit nous. C'est division, la haine entre nous. Nous avons tant d'électeurs officiels, des hommes éduqués, des docteurs, des infirmières, des avocats. Ce n'est pas possible. Je suis comme Chita dans Silicon Valley là. Dans des réunions, je dis, oh mon Dieu, ça a passé là. Alors, je vais quitter nous, vous me dites, non. Probablement, vous ne savez pas ce que nous autres, les conseillers membres à New York, ce que nous faisons, qui me dit, nous, rapidement. Pas qu'on joue, on peut batailler pour la communauté haïtienne, non. Il y a quelques nouveaux possibles. Je ne peux pas entendre non. Ça que je fais, mais là nous avons une chance de venir à Kaino. Allez dans Internet. Tapez non moins Mathieu Eugène. Dans YouTube ou bien dans Internet. Même s'il s'agit d'immigration, TPS pour Haïtien, par exemple, qui n'aime pas expliquer non. Mécris loi, résolution 1595. Et l'aime, nous avons bataille pour TPS. Ce n'est pas après tremblement de terre, non? Il vient de balayer après tremblement de terre. C'est en 2008, les Haïti n'ont pas 4 tremblements de terre. Gonaïve, t'es inondé, Saint-Marc. C'est là ça. Président Bush, t'es président des États-Unis. Et président en Haïti, c'était Préval pour monter à Washington, faire les démarches. Mais on ne peut pas dire notre bagage. Haïtien, quel que soit côté le passé, ils ont undermined, ils ont humilié. Nous connaissons aux États-Unis, Cubains, ils ont été appliqués. Pour Green Card pour famille. Dès que Green Card l'a approuvé, il y a le droit de faire famille Vinton, Green Card là aux États-Unis. Il est rentré, il y a tout privilège. Tandis que Haïtien lui-même, il passe 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parfois Haïtien mourit. Il va jouer Green Card ça. Il aime te voir ça. Et puis, rentrons l'autre loi encore pour demander Homeland Security. Un gouvernement américain pour les Haïtiens, même privilège que les Cubains. Et grâce à Dieu, je ne suis pas qu'à dire c'est moi seul non, qui fait, parce que un seul monde n'est pas possible. Donc, plus l'autre monde qui a bataillé pour lui. Et grâce à Dieu, en novembre passé, là, en novembre l'année passée, président Obama
approuver. C'est ça que fait nous, puis là, ici, qu'on a pour recevoir l'aide de l'immigration, les attendre Green Card en Haïti, puis rentrer Green Card Green Card ici aux États-Unis. Alors, l'Islam pile, je ne parle pas camper là parce que connaît nous avons un programme qui est très chargé. Mais la raison qui fait m'a dit nous ça, si moi-même, je fais, si mes champagnes font bagaille dans New Jersey, j'y ai dans l'administration, dans la finance, imaginez si nous, tous haïtiens, nous capons regrouper nous pour nous dire, j'y ai mon cher, ce n'est pas au clé de mime, non? Mes champagnes, ce n'est pas au clé de mime, non? Au contraire, l'ennemi, c'est l'ennemi commun que nous avons qui a empêché nous d'avancer. Imaginez, si tout haïtien qui est dans New York et aux États-Unis nous regroupé nous, mon cher a fait des merveilles, il a venu respecter nous. Ce message, ça m'a quitté nous avec elle. Gardez bien pour nous, hein. Quand il y a eu, quand ça a eu du là, que mon était sorti Mexique, il était sorti. Saint-Domingue, Porto Rico, ça veut dire latino, right? Ils sont latino. Cela veut dire que ni républicains, ni démocrates ont couru derrière comme ça. Parce que nous tournons en force. Mais nous-mêmes, excusez-moi, nous n'avons pas campé sur rien. Et nous l'avons tout. Et nous avons tout ce qu'il faut pour être powerful et pour become respected partners in United States of America and to get our fair share. Et m'a dit nous, je dis là, bon mouvement nous commencer dans Brooklyn, dans Queens, n'a pas monté dans New Jersey. Côté pour nous tout haïtien pour nous chiter ensemble. Ben nous ça comme garantie. Don't believe me, let's try it. Let's try it. On nous commencer rassembler nous, appelle la parole faite, il reste là qui est la même. Parce que il n'y a pas fait sens que Haïti est dans la situation sans lier là. Que nous avons tant d'hommes instruits, préparés et valables aux États-Unis. Nous ne pouvons pas dire Washington, hey, monsieur Kabila. Il n'est pas possible. Israël, côté toute force, là, elle sorti. Alors, ma fonte campé, je vais demander pour nous battre un gros bravo pour le géant garçon ça. Fayette. Qui feront tellement bel travail. Mon cher, côté Fayette, côté Fayette. Côté Fayette, là. Mon cher Fayette, où compte ça m'a dit? Je dis, c'est pas je dis, nous connaît. Les Mathieu, bon côté élu. Mathieu, bon côté élu. Les m'tenir dans la communauté. Nous avons travail pour la communauté. Mon cher, peut-être, si vous n'êtes pas de bon accès dans la première classe, je dis, m'a pas de God bless you, God bless your family. Thank you very much. Mesdames et Messieurs, le councilman Mathieu, le docteur Mathieu Eugène. Extra Supermarket offre une variété de produits alimentaires aux résidents haïtiens vivant à Maple Wood et dans les villes avoisinantes. Fruits frais, légumes de toutes sortes et viandes fraîches à la portée de tous les goûts. Un staff courtois vous attend à Extra, situé au 719 Irvington Avenue, Maple Wood, New Jersey. Téléphone 973-378-3775. Le cabinet de Max Jean-Louis offre toute une variété de services légaux dans la communauté. Les spécialités de Maître Jean-Louis, immigration, foreclosure et adoption. Maître Max Jean-Louis, 305 Broadway, suite 1001, New York, New York. Téléphone 212-964-3434. Solution Management Group offre depuis plus de 15 ans ses services à la communauté. Ses spécialités, services payroll, taxes pour individus et business, mortgage pour applicants qualifiés et real estate pour familles et entreprises. Solution Management Group 1112 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-462-4200, 347-462-1650. Matéo, moi couché, j'aime le vie, y'en douleur, chita sous cœur, moi songe, pays-moi. On allez, Haïti. Oh, côté haïtien, oh. Bon.
Bon, allez, on va commencer. L'estomac nous, l'esprit nous, capiaché. C'est comme nous, c'est mental nous, affaire nous, capiaché. Oh 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 oh. Zami call one way, one way, one way. Zami call one way, one way, one way. Zami call one way, one way, one way. Zami call one way. Ganoué, ganoué, Zami Kawanoué, Haïti première classe, Kawanoué, Zangi Wout, Kawanoué, Monsieur Desieux, Kawanoué, Docteur Fayette, Kawanoué, hey mes amis, hey, Kawanoué, hey, hey mes amis, hey, Kawanoué, hey, hey mes amis, hey, Kawanoué, hey, mes amis, hey, Kawanoué. Zami call one way, one way, one way, one way, one way, one way. Zami call one way. Zami call one way. Hey, Zami call one way. One way, one way, one way, one way. Haïti premier classe. Thank you. C'était Zangi Woods. Monsieur Menoué, Monsieur Christophe Colomb, parce que je découvre monsieur, et une bonne raison du fait que je découvre monsieur, pendant que j'ai performé. Et monsieur qui était nous sous soif, nous, monsieur chargé dans ma côte, monsieur son équipe. Mesdames et messieurs, applaudissez encore très fort, Zangi! Avec vous maintenant, Maître Max Jean-Louis, pour les conseils légaux. Téléspectateurs, encore une fois, bonjour, c'est avocat Max Jean-Louis qui, maintenant, vient partager un petit conseil légal avec nous. Et je dis à nous parler sous un bagage qui a presque 20 ans. C'est ça y est, loi Clinton, ou sinon ça y est, Herifa. Herifa, il faut qu'on ait dit, c'est ça y est, passé par le président Clinton. Et mon n'était pas bénéfice dans le pays, c'était mon qui était dans le pays avant 31 décembre 1995. Les lois passées, ils ont prévu que tu as presque 200 000 haïtiens qui ont une résidence là-dedans. Eh bien, un petit bagage pour qu'on ait téléspectateurs. Après presque 18 ans, loi entrée en vigueur. Eh bien, après presque 24 ans, loi entrée en vigueur. Eh bien, bon, pas gagner
presque 50 000 monde qui jouent une résidence en bas Herifa. Quand il y a question, ça passe l'autre 100 000 monde ou sinon l'autre 150 000 monde qui t'a supposé jouer une résidence en bas Herifa. Et mais quoi me souvle, grand pile monde ça au dehors et c'est pour monde ça me porter conseil ce matin hein, qui qualifié en bas Herifa pour jouer une résidence, mais pour une raison pour l'autre soit pas connait monde qui t'a rempli application pour yo pas qualifié pour te faire genre de travail ça et puis qu'on y a les interview à mon en lagué mon en pour compte lui devant officier immigration et puis officier immigration regarder te gain et une application et puis officier immigration prend dossier li lagué l'autre côté et puis mon ça tout était là avec résidence cap dans mon côté mon app dans mon côté résidence cap dans mon côté et puis par contre qui ça pour le faire pour la jeune résidence ça m'a dit à me connaît comme Maurice qui sautait dit dans une bagarre yo c'est toi tu me saute en ballan mais nous caï m'a mal dans c'est quoi pourquoi cher ami. C'est parce que moi ça tout le temps dans pratique moi que c'est dans bureau Manhattan que c'est dans bureau Orlando moi ouais genre de cas espèce ça yo côté mon en qualifié il y a un bon bagage Herifa dans meni mais pour une raison pour l'autre mon n'a pas compte si que t'es qualifié pour Herifa mon a tombé dans TPS li gen moyen pour une résidence dans meni li pas poursuivre li pas ça chercher conseil professionnel mon qui marche dans domaine pour voir s'il t'a une assistance là des un TPS qui bagage provisoire bagage cap aider le parler là puis en bon caille qui pas même pour lui même. Donc c'est comme si ndado ou gen costume ou gen bon chaudière neuf la caillou en guise pour faire manger dans chaudière neuf ou plaquaillou ou aller chercher pour ton chaudière dans voisinage pour faire manger. Ben faut qu'on nous bagaille à un certain moment donné mettre chaudière puis demander chaudière. Donc moi porter conseil ça pour nous matin hein? Si que gen nan yon nan moun nan tes spectateurs qui regarder là qui était dans pays avant 31 décembre 1995 me préciser pour nous qui était physiquement qui était deux pieds dans le pays avant 31 décembre 95 et qui était supposé participer dans programme amnistie ce Bill Clinton que dans langage juridique que nous relé Herifa et que gain application soit pas jambe tant de suite pas jambe balle suite pas compte qui ça qui vient application ça et même gain nouvelle pour vous, application ça pas jambe mourir parce que programme nan pas jambe fermé c'est un programme qui était sans fin c'est non tout on sans fond lié. Ça veut dire que quel que soit éligible, il met 20 ans, 15 ans, 30 ans après, député éligible pour Herifa, éligibilité ça a toujours là, n'après monde qui caprend la main. Donc ça, c'est un bagage qui est très important pour qu'on ait. Moi, je viens avec information ça pour nous, c'est parce que dans la pratique, moi, ouais, que dans pile monde. Et il y a un bagage pour qu'on ait, téléspectateurs, c'est que dans le groupe monde, qui te bénéficié de amnistie, gen la dan ki gen tan vin citoyen américain qui vote même deux ou trois fois dans élection aux États-Unis, alors que l'autre là la li même qui était dans même classification avec lui, li pou ko ka faire démarche pour joindre papier li. Donc à partir de ce moment-là, sam ta ka du matin, sou fait partie de groupe moun sa yo qui pour une raison pour l'autre, pas de jamb continuer, pas de jamb fini faire démarche pour faire pour te joindre bénéfice en bas Herifa, bénéfice ça pas perdu, même si gen 20 ans, même si gen 30 ans, li pas perdu, toujours là toujours. Donc, téléspectateurs, encore une fois, moi te pote ti conseil ça pour nous, c'est parce que me connais, c'est un bagage qui très très important dans la communauté nous hein, parce que nous gen droit nan men nous gen opportunité pour nous foncer de bagay, alors que nous quitter ça pour nous joindre pour ça mener nous directement côté n'a chercher à nous pas prendre nal derrière l'autre bagay qui pas mener nous aucun côté. Donc, m'espérer que ti mon son information ça me te pote pour nous matin hein. Il était assez clair, assez intéressant, et que dans l'autre segment, m'a venu avec un autre sujet pour nous qui a intéressé nous. C'était avocat Marc Jean-Louis qui t'a passé la matin pour te venir partager quelques conseils avec nous sur affaire la loi. Et bon garantie, si bon Dieu prête ma vie, n'a pourrait dans l'autre émission encore. Le cabinet de Max Jean-Louis offre toute une variété de services légaux dans la communauté. Les spécialités de Maître Jean-Louis, immigration, foreclosure et adoption. Maître Max Jean-Louis, 305 Broadway, suite 1001, New York, New York. Téléphone 212-964-3434. Amis auditeurs, nous-mêmes qui lisons déjà un premier roman qui est « Quand Dieu venge la femme créole », moi, dis-nous que, moi, invité dans le deuxième mouvement qui est le secret de femme. Après le secret de femme, nous gagnons le pays est malade. Donc, nous connaissons, tout le monde connaît le pays est malade.
nous gagnons et toi qui pleurera quand ça passera mal, tu vas l'expliquer au comment, que c'est nous-mêmes encore capturés quand ça passe mal. Nous gagnons déjà 10 romans qui sont en matière, qui m'ont écrit pour nous. Nous gagnons 5e commandement, nous gagnons le bon match au bonaïvien, l'innocent antibonicienne, mon éternel amour pour toi, la fièvre politique de mon compère. Et quand la mission impossible devient possible, on va venir à l'histoire pour venir ou à ce film-là, pour capable de nous, et puis nous allons dire que nous avons pile de numéro 1, un moment pour qu'il y ait une sortie, et moment ça va être quand je vais vous dire, on va quitter une génération qui a vu. Thank you. Ma fille et moi, nous remercions tout le monde qui a dit au moment qui continue à vivre. Nous disons que nous avons écrit à partir de ça qui a passé dans la société pour l'autre génération capable de connaître comment la réalité passe. C'est un plaisir pour nous que nous pouvons toujours continuer à écrire pour vous. Nous avons toujours relevé nous dans 516 859 41 06. Oui, chérie, t'as pas fait ça, tu là. Puis tu as acheté un iguazon, ça c'est dans ma coupe d'iguazon. Puis tu as battu ma veste dans l'eau. Sénateur Al Austin. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si mes propos vont rencontrer l'assentiment de tous ce soir, mais je suis sûr qu'il est important que cette génération et la génération montante soit informé des obstacles majeurs semés sur le parcours de notre pays pendant les 211 années de son existence par les puissances d'hier et d'aujourd'hui. Dans le but de contrarier, voire bloquer systématiquement le développement de notre pays. Ce disant, je ne veux pas ignorer nos propres turpitudes, nos propres luttes intestinales, et nos incohérences et nos inconséquences. J'ai écrit un texte que je pense être de saison, que je vais offrir à votre délectation. Et ce texte est intitulé « L'impérialisme américain, impedimenta au développement d'Haïti ». La domination a toujours été l'arme de prédilection de tous les systèmes hégémoniques mondiaux depuis la nuit des temps. Notre pays, comme la plupart des nations de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de l'archipel des Caraïbes, après la dure expérience des systèmes d'exploitation les plus abjects et les plus féroces que les puissances européennes eurent pu imaginer. Rien de plus méprisant, de plus avilissant, de plus indigne, de plus humiliant, de plus déshumanisant que l'esclavage. Nos grands-parents ont fait cette expérience dégradante, mais ils ont aussi le mérite d'avoir fait la révolution politique et sociale la plus radicale et la plus surprenante du monde. Ils ont conçu une nation. Ils ont créé la liberté sur leur territoire. Ils ont vaincu l'esclavage. Haïti est ainsi devenue la première république noire du Nouveau Monde et la seule nation née sur le champ de bataille et issue d'un combat héroïque. Après des démêlés à plusieurs reprises avec les puissances françaises et allemandes, citons l'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825, assortie d'une armada de 14 bateaux de guerre armés de 528 canons installés au large de notre capitale, l'affaire Émile Luders
l'ultimatum du 6 décembre 1897, où la capitulation honteuse de Tiresias Simon Sam devant les exigences abusives et injustes de la puissance allemande. La nouvelle République haïtienne indépendante faisait l'objet d'un complot permanent des puissances européennes et de celles fraîchement sorties de la dernière guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et du traité de Yalta, dont les États-Unis d'Amérique du Nord. Ces dernières n'ont mis pas moins de 58 années avant de reconnaître l'indépendance d'Haïti. En 1862, obtenu pourtant de hautes luttes. Remarquablement, un siècle plus tard, en février 1962, suite à un trait de mesure adopté par le régime castriste fraîchement installé au pouvoir, notamment la nationalisation sans compensation des biens des ressortissants des sociétés nord-américaines, un embargo a été décidé contre la Grande-Île. Cependant, Cuba, tout au cours des 52 ans de cet embargo, meurtrier imposé par l'oncle, a bénéficié de 23 résolutions des Nations Unies et du support de 188 États en faveur de sa suppression. Les temps n'étant pas les mêmes, la géographie politique et les intérêts ayant changé, Haïti, moins chanceuse, avait dû supporter seul le poids d'environ 6 décades d'exclusion imposée par l'administration américaine de ce temps. Il est important de noter que dans la proclamation de la doctrine dite de Monroe, les États-Unis s'arrogeaient le droit léonin du contrôle militaire, économique et même culturel des territoires du continent américain. En effet, le 2 décembre 1823, lors de son 7e message au Congrès, le président républicain James Monroe proclama dans un discours condescendant, fait d'arrogance et de suffisance, ces trois principes. 1. L'Amérique n'est plus ouverte à la colonisation. 2. Toute intervention européenne dans les affaires du continent sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. 3. Les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes. D'où la formule laconique admise depuis pour traduire le caractère hautain, glouton et impérialiste de Washington, l'Amérique aux Américains. Il est alors compréhensible que accéder au rang de puissance à vocation mondiale, les États-Unis se donnaient un brevet d'intervention dans les différents pays qui composaient leur domaine géopolitique et ne se sont nullement embarrassés des subtilités de la perception de leur troisième frontière. Les États de la région étant alors d'office consacrés leur chasse gardée. Ainsi donc, après avoir participé en 1900 à l'alliance qui intervient à Pékin, en Chine, ils ont conçu l'amendement Platt du sénateur Platt. Du 2 mars 1901, qui a concédé à l'État américain la baie de Guantanamo à Cuba. Ils sont impliqués en 1903 à la révolte visant à la séparation de ce qui deviendra la République du Panama et se fit céder la zone du canal de Panama. Ils occupent successivement le Nicaragua en 1909, Veracruz au Mexique en 1914, Haïti en 1915 et la République dominicaine en 1916, etc. Et s'étaient-ils désignés eux-mêmes comme les gendarmes de cet espace centra-américain et caraïbe. Il en résulte que notre pays soit classé étant le plus pauvre de l'hémisphère et nos amis étrangers, à qui mieux, ne se lassent pas de le trop détruire.
Monsieur le sénateur Al Austin. Le cabinet de maître Joseph Champagne offre une variété de services légaux dans le domaine immigration, divorce, accident, cas criminel. Maître Champagne et ses associés interviewent leurs clients, revisent leurs cas et les accompagnent au tribunal. L'office de maître Joseph Champagne, 60 Park Place, Newark, New Jersey, téléphone 732-240-0030. Felito Driving School offre des cours pour apprentis chauffeurs, des cours de rattrapage aux besoins, des cours pour conducteurs de poids lourds et de préparation pour l'obtention de licences CDL. Dirigé par Michel Sénatus, Felito Driving School, 2165 Maurice Avenue, Union New Jersey, téléphone 908-687-0100. Blagla, c'est Claude. All right, thank you, Jade. Mais de toute façon, faut me dire que bon, en fait, ça c'est très flatté parce que... pas possible tout bas ça. Bon, de toute façon, comme moi j'ai des vle pour m'ban une blague à soya et semble tout le monde a envie de une blague. Bon, belle annonce pour nous à soya. Est-ce que nous avons qui s'allie? Est-ce que nous avons qui annonce que nous va faire à soya là? Ok, nous avons allié. Blague nous avons ballon blié. Blague, nous avons pas l'amblée, ok? Mais de toute façon, ok, moi, nous pas arrivé à ces blagues. Bon, eh bien, son petit étudiant qui est dans la salle de classe. Et puis, quand même, pendant que dans la salle de classe, elle a parlé, elle a fait bruit derrière. On connaît ces élèves qui plus turbulents, c'est toujours dans le bandé à Chita. Ce bandé a chauffé, blague, bon, puis vous êtes rentré, mais donc, c'était une mathématique, ce qu'on a fait. Et puis, quand même, il y a un étudiant qui était plus chauffé là, et puis, pour ça, levé, il dit, elle ou même le copé là. Il dit, bon, crétin, là, ça, il dit, bon, attendez, bon chasseur, il y a 6 oiseaux qui étaient sur une branche de bois. Bon chasseur passé et tiré 4 là-dedans. Combien de traités? Étudiant pas même réfléchir, il me dit 1, 0. Vous avez dit, ouais, ça me dit, non, crété. Et puis, monsieur dit, mes professeurs, sous ces 4, 6, 6 oiseaux sont branches bois, on chasse passé et tiré 4. De l'autre, vous avez abrité. C'est ça, me dit, pour nous. Sont-ils abrités, tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez? Après pour bail plaque c'est presque tout le monde qu'on tabaille et n'a pas c'est mandé monde qui va recevoir plaque yo faut pas on dit j'en gambe nous trop parce que nous pas bailler toutes mais n'a dit à soi nous t'ai sélectionné 6 monde en occasion pour nous bailler parce que font sélection pour raison qu'on attendait yo voir yo et c'est ça que fait nous choisir monde ça que choisir là d'abord on a pas demandé docteur Jacques Gia pour le présenter pour nous sur scène là. Et ça, c'est plaque que nous baille docteur Jacques Gia. Et for your dedicated services to the city of New York, your commitment to the Haitian community, and your relentless support to Haiti Première Classe. Congratulations from Haiti Première Classe. Good evening. Bonsoir tout le monde qui là. J'ai un bon ami d'enfance qui là vraiment et son bon retrouvaille et from saluer gagne ambassadeur Ray Joseph gagne qui France puis ça va déjà gagne. Il a toujours OK me saluer gagne Jonathan Saint-Preux son c'est des messieurs qui me grandit ensemble avec médecin Saint-Preux. Merci encore. Well, I'm very humble and honored to be receiving this special recognition. Thank you, Fayette, and the entire team of AT Premier Class for this honor. I did not make this journey here alone. There are a number of people who have supported me along the way. I am blessed to have an amazing and supportive family. I want to publicly acknowledge my wife, Chantal, who is the spiritual center of our family and has been supporting me and advising me every step of the way. Sometimes I frustrate the hell out of her, but I could not have done this without your unconditional love and loyal support.
Please give a round of applause to my wife, Chantal. Beyond accepting this honor, it is also a pleasure for me to be here to celebrate the relaunch of AET Premier Class, which is a very special critical voice in our community. Your presence was sorely missed. And I'm very glad to see the show back on the air. In our society, the media plays a critical role. Media is how we connect with the world. As much as it is mostly seen as an outlet for entertainment, it is also a vehicle to solving some of our biggest problems and challenges. AET Premier Class understands the weight of such responsibility. We, as a community, have made significant progress in the past few decades. The Haitian diaspora in the United States has more than tripled since the early 1980s, when we were covered in media as uneducated and unskilled boat people. It has been a long road from boat people to now being covered and recognized in the media as artists, elected officials, social advocates, and corporate executives. You name an industry in this country, and you find an Haitian in some leadership position. So I'm very optimistic about our future in this country. I say that with pride, but I'm not naive about some of the serious challenges that we are facing in our daily lives. Like other communities, we have concerns associated with housing, education, and unemployment, all while worrying about the political, social, and health issues plaguing friends and family members back home. At times, these challenges can seem overwhelming, but we will overcome them. That is why I'm so proud to be a member of the de Blasio administration that is fighting very hard to create better opportunities for all New Yorkers through initiatives such as universal pre-K, paid sick leave, living wage, and affordable housing. I know that each of you in this room is doing your best to improve our community in your own unique way. Like you, AET Premier Class has done a share of the work. Fayette and his team represented the Haitian interests when no one else seemed interested. Now that you're back on the air, we will continue to depend on you to not only expose the beauty and importance of our culture to the world, but to lead the discussions around business, economic development, and social justice that will not only reshape our image, but broadly improve conditions for our country and Haitian people. We will continue to rely on your advocacy for the most vulnerable among us, but be sure you are not alone. We are here not only rooting for your success, but also pledging to offer our support. We are glad to have you back. Congratulations on your return. Thank you again for this honor. Good luck and God bless you. Asyo ala. Mse son ansyen kolaborate program nan. Mse travay an pil nan AET Premier Class. Fè kou kriol, kou angle. Kriol pou Ameriken, angle pou Haitien. Donk son nom ki la tou kap goumen nan kominote ya. Mse goun library, donk bookstore. On pe siki difisil, basa yi se bali za. Pa fasil. Bon, mse yon chè di, pa fasil. Now, de lan reche for your commitment and devotion to the promotion of business in the Haitian community. Congratulations. Bon, et pour tout le monde qui ne connaît pas, moi, je suis dans le rancher. Moi, je fais plusieurs choses dans la communauté. Je travaille pour la communauté, je travaille pour les Haïtiens.
tout d'abord, n'a pris Frère Théodore pour Haïti pour le casque qu'elle mettait pour nous presque 20 ans de ça. Moi, j'étais un participant à Haïti première classe. Dès qu'on fait cours anglais dans la télévision. Hein? Et même si j'étais un haïtien, si j'ai 5 haïtiens qui sont plus connus dans toute diaspora, je la donne. Vous pensez que je la donne? Grâce à Haïti première classe, grâce à Wilson Désir. Rachel Adel. Moi fais le livre pour les gens qui parlent anglais. Haïtiens qui sont Haïti parlent anglais. Pour nous-mêmes qui faisons des ici, qui parlent anglais, qui veulent apprendre à parler créole, ou bien qui veulent apprendre à parler français, nous faisons le livre pour eux. Nous faisons un livre qui relève français avec anglais sans tracaille sans donner. Nous avons déjà écoulé plus de 3 millions. Nous avons déjà écoulé plus de 3 millions d'exemplaires à travers diaspora et Haïti. Nous sommes les premiers Haïtiens qui écrit un dictionnaire en trois langues. Créole, anglais, français. Pendant que, en pile dans nous, a mis les créoles, a pris les créoles de côté, pendant que Columbia Université, Yale Université, Oxford Université, a utilisé créole comme une langue normale, une langue qui a une grammaire, qui a une dictionnaire, etc., etc. Nous faisons un dictionnaire qui est le dictionnaire Maman Pemba, qui gagne environ 1 million de mots. Nous passons avec photo, parce que nous ne pouvons pas faire photo. Mais toutes ces informations, nous faisons pour la communauté haïtienne. Dès que nous avons gardé Haïti, nous n'avons pas de problème, président, vraiment. Non. Nous avons un problème grand goût. Nous pas capables de manger. Alors, c'est ça qui fait que moi, j'ai décidé de me camper pour m'aider, pour faire des bagailles. Lorsqu'on regarde Haïti, ce n'est pas une question de camper, parler français, parler espagnol, parler anglais, etc. etc. Il faut qu'on fasse action dans notre en Haïti. Non seulement acheter un pile de terre, nous faisons agriculture. Nous faisons travail, nous manger. Pendant que nous faisons agriculture, nous commençons à faire un village. C'est la question de parler en pile. Le village a commencé. Nous bâtissons 5 bâtiments. On continue le vaudois et quoi de bouquet. Pendant que nous prenons entrer vraiment dans ce village-là, c'est là que le kidnapping a commencé. Nous sommes obligés. Camper pour ne pas kidnapper mon nous. Dans ce cas, comme nous tous ensemble, nous sommes capables de faire des bagailles. Comme moi, nous, Haïti n'a pas de problème, président. Nous tous avons nommé président. Le président vient de le faire en ligne. Après, ça l'aller. Pendant ce temps, le peuple a vu un plus grand goût. Pendant ce temps, nous avons un plus grand goût. Nous avons souffert en Haïti vraiment. Qui ça a Haïti besoin? Haïti besoin de manger. Mais c'est nous pour pouvoir manger. C'est nous pour pouvoir manger. Quand il y a nous, une nation consommatrice, pendant que nous avons gardé sous Dominique qui nous va nous manger, pendant que nous avons monté des sangs après humiliation dans les pays étrangers, dans les pays étrangers, pendant ce temps que nous la noix, comme nous, pas vos rien. Pourquoi ça fait que nous ne pouvons pas rien? Parce que nous ne pouvons pas produire. Lorsque nous achetons manger dans les Dominicains, les Dominicains entrent dans la caille avec gros camions chargés de manger. Ils tournent avec poche plein d'argent, avec camions vide. Pourquoi ça fait qu'ils tournent vide? Parce que nous n'avons pas gagné pour nous vendre. Lorsque nous n'avons pas gagné pour vendre, nous pas capables, ou pas capable de faire échange. Dans ce cas, nous venons plus pauvres et plus pauvres. Comme on doit constater que nous n'avons pas de problème, président. Nous avons un problème grand goût.
C'est nous-mêmes qui pour camper, pour nous aider pays nous, parce que pays nous, les comptes sur nous. Haïti première classe, c'est pas chaud faire que lié. C'est pas chaud cher, mais c'est chaud nous toutes. C'est une institution que lié. C'est nous-mêmes qui pour camper. C'est comme une plante qui besoin de l'eau pour le grandir, pour le continuer de grandir. Il est capable de continuer de grandir. Mais c'est nous-mêmes qui pour faire, c'est nous-mêmes qui pour aider le grandir. Nous, tout cap gardé là, nous avons des amis qui ont des business. Nous avons des familles qui ont des business. Ça que nous sommes capables de demander des businessmen à eux, eh bien, pour eux, by Haïti première classe, ils ont tiré clame pour être capable de continuer à survivre. C'est comme ça que toute l'autre industrie survive. Moi, non seulement que moi, j'ai écrit 15 livres. Moi, j'ai gagné une librairie dans Brooklyn. Côté que nous vendons toute qualité de livres. Nous ne vendons pas livres créoles seulement, livres français seulement. Nous vivons en livres anglais, nous vivons en livres espagnols, en façon pour nous capables de survivre. Mais c'est comme ça que les bagailles sont. Et comme moi connais que l'aime commence à parler parfois, moi oublier si je parle, m'a parlé. Comme... Dans ce cas, moi obligé à camper là, et bien pour me battre l'autre pour faire un coup tout. On se bat qui est capable de nous. Il faut que nous toutes qu'elles faillettes pour ne pas tomber. Si que nous pas qu'elles la tomber. Haïti première classe, c'est pas un, c'est son institution qui est liée. Pour continuer à exister, il faut que nous continuions à nourrir. Merci. Extra Supermarket offre une variété de produits alimentaires aux résidents haïtiens vivant à Maplewood et dans les villes avoisinantes. Fruits frais, légumes de toutes sortes et viandes fraîches à la portée de tous les goûts. Un staff courtois vous attend à Extra, situé au 79 R29 Avenue Maplewood, New Jersey. Téléphone 973-378-3775. Solution Management Group offre depuis plus de 15 ans ses services à la communauté. Ses spécialités, services payroll, taxes pour individus et business, mortgage pour applicants qualifiés et real estate pour familles et entreprises. Solution Management Group 1112 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-462-4200, 347-462-1650. Easycall Photo Video Production est spécialisé dans la réalisation de reportages, photos et vidéos pour toute occasion, mariage, baptême, communion et funérailles. Easycall 3610 Church Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 347-587-5246. Il y a différents types d'activités comme travail, une variété. Et nous avons Wister Jacques qui en fait font pas que travail dans l'affaire judo dans la communauté parce que et il y a la vérité du judo club, monsieur Genetan a travaillé, monsieur fait pile d'expérience, monsieur Donc, n'a pas invité Wisley pour qu'il puisse recevoir. Et Wisley dit, for your commitment and devotion to the promotion of judo in the Asian community. Thank you. Thank you, God. Thank you, Fire. Jeff, can you come up, please? Et donc, non seulement nous gagnons haïtiens, nous là pour nous promouvoir la culture, pas nous, mais nous gagnons étrangers tout qui apprécient ça. Et Jeffson, nous qui a travaillé en pile. Monsieur parle créole, monsieur fait conférence pour. Et comme nous connaissons New Jersey, c'est partenaire Haïti que lié. Donc, monsieur, c'est une New Jersey Haïti Partners qui travaille et pour en fait promouvoir la culture haïtienne parmi les étrangers surtout. Jeff, this is for your commitment and devotion to the promotion of Asian culture. Congratulations from Haiti, première classe. Merci un peu. Je regrette pas qu'il y ait assez de mots dans le créole pour exprimer tout semblé dit. Je vais probablement continuer en anglais. Ok. I'm very humbled to be included in such distinguished company as Dr. Jiha and
Mr. Ranchet, whose dictionary has helped so many people, and Monsieur Wismer. I do, within my limited area of influence, I do what I can to be a friend of Haiti and to be a friend of the Haitian American community. I should say that there are those in my organization who have been friends of Haiti even longer than I have, and I accept this award partly on their behalf, not only on their behalf, but also on behalf of our partners in Haiti, which include Mrs. Brown's mother, Marie-Carmel Lafontaine, who is a very dear friend and has helped me in many ways. So thank you very much again, and the best of luck as IT Premier Class continues its service to the Haitian American community. Thank you. Vive IT Premier Class. Guy France. Et on avait dit que Guy France, son musicien, bon, monsieur, font un paquet de temps et travaille pour IT Premier Class, font un paquet de bout. Même monsieur, son condisciple de notre école ensemble, son des gens, il y a qu'on allait droite. Monsieur Banan parle en pile, il parle en démagogie. Monsieur dit, il n'y a pas pour aller ici parce que c'est Haïti la fâché. Je n'ai pas de bon pour qui ça, non? C'est tellement vexé, j'en paye. Ça, t'as fait, Guy? Vite. Moi, ça, je me dis, non, c'est la première plaque que je viens dans la vie. Je ne vais pas parler en pile. Yon n'a pas m'a même dit, nous grandissons, nous fêtes, dans l'école, ou des amis, leur grand monde, c'est là qu'on réalise parmi tout le monde nous connaît. Gagne des mondes qui assument des responsabilités, et des responsabilités qui changent. Non seulement vie en communauté, mais changer vie en pays. Et je dois dire ça avec un pile privilège. L'EFA a été contacté la première fois. Il vient côté me dit, Massien, connais M. Digui, mais c'est Massien, besoin coûte, mais oui. Sans hésiter, M. Kazi me répond présent la même. Parce que depuis Haïti, il faut déjà montrer ça, le fait. Il vient en diaspora, il vient de New York. T'es gagné vite vraiment. Et là, monsieur contacté moi. Nielsen a un rapport chaque samedi matin sous 4 households. Gagné un qui garde Haïti première classe. Donc c'est tellement Haïti première classe, c'est important pour la communauté. Quand il y a monsieur Tounet, comme nous tous, c'est un moment de crise. Et je suis certain que vision fait est capable, grâce au problème, de discuter avec nous. Il y a un travail qui fait moi-même fait pour plus dans ça le faire. Je dois dire que c'est celle télévision où pas besoin de faire pas de méthode devant la caméra. Et ça, c'est un travail pour nous respecter. Parce que dans le monde, là où ça fait, ça fait. C'est clic. Mais vision fait qui englobe la communauté, qui englobe le pays, permet justement nous avoir une voix. Une voix qui est impartiale. Impartiale. Fait mettre tout le monde devant le micro pour dire ce que vous voulez. C'est droit pour exprimer ce que vous voulez. Donc, je demande à nous en grâce. C'est vrai, après 17 ans, nous tous finissons avec les cheveux blancs. 10 petites, nous t'en prie, s'il vous plaît. Parce que Timonio est intéressant pour l'Haïti. Moi, personnellement, j'ai 2 petites. Si nous voulons quoi, je vais parler d'Haïti. Eh bien, 18 mai, petite, je vais parler devant. Il dit, il a demandé, il dit, why do you need money? I want to buy the Haitian flag. Identifier un Haïtien. C'est espoir pays d'Haïti. Et
vision fait la permettre justement que petit nous Kembera signe avec pays. Tant pri diti moun yo bon voix. Et monsieur a ka comprendre ça fait tab di parce qu'il intéressé par les créoles. Je parle avec mon grand yo monsieur dit de toi vie mon créole mais mes pays a nous besoin Haïti première classe pour faire connexion entre nous-mêmes qu'a pour aller petit nous qui intéressé Haïti et problème Haïti gain parce que c'est ti moun nous qu'a peut réellement changer pays d'Haïti. Merci un peu. Bon, on va tout de suite nous parler passer la présentation de staff à Haïti première classe. Guy France parle de cheveux blancs. Moi-même, je suis anti-grand monde, prêcher anti-grand monisme à la télé et à la radio. Même avec mesdames, je suis noir cheveux tout. Je me dis, monsieur, je ne fais pas balade du tout. Contre, je fais grand monde. Affaire pour nous mettre du grand monde, cheveux blancs, nous sommes révolutionnaires. Vous comprenez? Même avec Denzel Washington, même avec Eddie Murphy, même avec mesdames, mais là, vous avez cheveux blancs, non? Et là, bon, on a cheveux blancs. Et soit le jaunil, et pas mesdames. Deux cheveux d'âme jaunes, connaissons l'âge de Caponin. Est-ce que je mentis, mesdames? Eh bien, moi-même, dis monsieur, mesdames, je prends un secret, nous, je nous assis tout. L'homme sous caméra, Nelson et Pierre Dijon, mon petit cheveux blanc, mon crayon. Docteur dit. Docteur de Rivière, ou là. Je dis, docteur dit, pas qu'à faire cheveux blancs, ça. Pas qu'à mon travail. Au moins, pas qu'à mon autre. Je dis, faire mon cheveu blanc. Tout le monde dit, faire fort noisy. Je dis, faire fort noisy. Je dis, faire fort noisy. Pas qu'à faire cheveux blancs. Nous comptons ça. Ou pour caler tête tout. Enfin, nous allons présenter le membre de Haïti pour mes classes, l'un d'après l'autre. Moi, monsieur, je ne vais pas cacher mes blancs, parce que je dis blanc, moi, si on ne va pas cacher mes péchés. Ok, now, on avait dit que le travail Haïti pour mes classes, c'est un travail qui m'a donné un paquet de monde. Et, bon, en fait, on a pas le qui j'en ai café. Ça m'a donné un effet, c'est connecter anciens collaborateurs que peut-être. Des fois, il des mizimba identifié ancien monde qui toujours collabore avec nous. OK. Pour nous présenter l'équipe là de dans toute histoire. OK. Et n'a pas dit que ancien monde qui habitué et travaille avec nous toujours fidèle dans le programme. Bon. N'a pas de venir à Fayette correspondant nous qui était correspondant à Haïti pour classe en Haïti pour venir sous cette. Correspondance a dégagé plus de chance pour le capable et non, à l'époque élection 90 pour un témoignage direct pour un conseil d'image faire reportage pour nous mais actuellement au Canada donc c'est ça que fait nous pas gain privilège pour nous gagner avec nous n'a pas ancien collaborateur n'a dit monsieur Delan Rencher qui compte faire cours anglais vient avec nous tout monsieur Rencher. Docteur Fayette, son nouveau collaborateur, tout ancien et nouveau là. Docteur Jean-Edouard Fayette, s'il vous plaît. Et ancien et nouveau, est-ce que Docteur Deguivier est là? Docteur Deguivier est là. Docteur Deguivier déjà. Avec cheveux bien noirs. Non, monsieur, pas là. Côté Doc là, je dis Doc là, fait cheveux blancs, malade. Côté lui. Monsieur Déplacé. Bon, on n'a pas avancé. Ok. Nous gagnons et comme nouveau collaborateur. Bon, en fait, c'est Florence qui coordonne l'activité programme. Non? Florence Brown, s'il vous plaît. Florence Brown. Monsieur Palais, cheveux bien noirs. Now, nous gagnons beaucoup de nous. J'ai entendu des osiers. Donc, je n'ai pas besoin de présenter parler de monsieur même là. Parce que monsieur. Moi, Edouard, j'étais là, comme directeur technique. Quoi. Yes. Bon, nous avons avec nous éditeur programme, non? En fait, qui a passé une nuit avec nous, Nel. Qui est quand même Nel Zoni Pierre-Louis. Très important. On dit applaudissements pour Nel, s'il vous plaît. Toutes nos qualités et effets qu'a fait, quand on voit image clean, clair, dans HDA, c'est Nel qui a fait le cabala. Son gros technique. Le gros, tout. Bon. Bah quoi. Oh, mais docteur, je veux bien noir. Ok. Now,
Oh, ancien et nouveau collaborateur, n'a pas dit nous avec nous, mais Jonathan Sepp, s'il vous plaît. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un m'a oublié là? Parce que je ne vais pas pousser oublier mon là. On nous dit. Nous avons un social worker là qui fait paraître dans le programme qui en fait en radio à tout le monde dit cap on a qui peut et on demande Martine Georges pour venir sur scène dans social worker. Et nous avons tout et nurse nous Viviane Elmira qui supposé la pour faire bah éducatif pour mon yo. On a demandé Viviane Elmira dans l'équipe là. Bon, en fait, nous capables de dire, en gros, dans l'ensemble, c'est équipe ça. Sans que nous ne pas ignorer que tout le monde dans la salle là, tout, par contribution, nous avons fait interview, éduquer le monde. Et donc, nous réellement, pas, tout le monde là, c'est même IT première classe. Mais, et, nous avons dit, nous, en gros, mes équipes là qui fait travail, sont base régulière. Et Guy Franz, vous êtes là, vous déplacez, vous allez. Ancien collaborateur, monsieur sont les qui étaient impayables, paraît qu'il a. Faut venir en photo ça. Ancien ami, toujours ami. Non, mais définitivement, Guy Fon, son poteau mitan, c'est lui-même qui compte faire HPC. Zagé. Comme samedi oui. Matin. Oui. C'est Guy qui compose la musique pour. Donc c'est Guy. Haïti, bonheur, bonheur. C'est Guy Franz qui fait ça. Donc, en gros, on a demandé tout le monde à vous, à vos équipes là. Caméraman, on a fait photo de souvenirs. Caméraman, on a La clinique du docteur Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, wood canal. Docteur Jean-Edouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-953-76-39. Le cabinet de Max Jean-Louis offre toute une variété de services légaux dans la communauté. Les spécialités de Maître Jean-Louis, immigration, foreclosure et adoption. Maître Max Jean-Louis, 305 Broadway, suite 1001, New York, New York. Téléphone 212-964-3434. Ici, Madame, Monsieur, pour enfin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suivez sur ces commentaires, composez le 973-673-3900 encore. Écrivez-nous à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme. Spécialement notre éditeur Nel Sony Pierre-Louis, notre caméraman Claude Crane sous la direction de Édouard Éloi. À ce soir, 9h-11h sur le 91.5. Pour votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon dimanche.